C'est pour ça que quand FF6 Roar t'as trouvé ça énorme la scène d'opéra, parce que tu l'avais joué. C'était pas énorme, t'aurais soulevé la table tellement t'aurais bandé. Ça. Okay. Non mais je déconne pas, c'est un truc de barbe. Bah donc pour la première fois je suis en train de niquer le Tyrannosaur. En fait j'ai envie de le refaire le truc de lui. Parce que j'ai tout cassé. Ah, pour regarder la vidéo. Ah le refaire Ouais le re... Alors ouais donc c'est déjà fini. Parce qu'en fait j'ai tout cassé. Parce qu'il y a un truc putain de tragique, moi je dis ouais oh. Non ça qui est bien. Non, non mais pas là. Si la personne en a marre que tu dis de la merde, et ben elle peut jouer au jeu elle-même. Du coup ça qui est bien. Ouais mais j'aime pas que les gens jouent au jeu. Parce qu'après ils regardent plus la vidéo. Enfin je préfère qu'ils jouent après avoir tout vu. Bah oui non, moi aussi. Mais ça fait chier parce que tu sais déjà tout ce qui va se passer. Alors là pour info voilà c'est la meilleure fin. Et vous voyez une grosse bombe sous l'hélicoptère donc vous savez à quoi elle va servir. Attends mais tu l'as buté le dino? Non je l'ai fait reculer. Bah donc comme je disais une putain de grosse bombe sous l'hélicoptère. Donc on sait à quoi elle va servir. Ça c'est pas un hélico de merde ça. Et c'est tout le temps bah tout le temps à chaque fois il y a une petite phrase fun de Rick. Ricochet. Voilà. Et donc la bombe, on va la faire, on va la larguer. Alors, il est con, il aurait pu monter plus haut, quitte à un peu frôler le plafond, mais bon, non. Ouais, mais là-dessus, ça gêne pas, là, il monte. Ça, dans tous les films, les trucs comme ça, t'as une putain d'explosion et t'as l'hélico qui se barre. Mais une explosion, c'est voilà, tout truc. Le monde est en vie. Mais l'avion, il fond normalement, tu sais. Ouais. Avec la chaleur du truc. Quand même pas, c'est pas un... Non, mais bon, t'as un peu chaud au cul, quoi. Mais là hop tranquille. J'adore ça. Ouais, ça fait trop film, ça fait trop voilà. Fin de film ça. Voilà. Sérieux, je trouve. Hein. Même pas film, jeu, il y a aussi plein de jeux qui finissent comme ça. Ouais ouais mais voilà. Truc réaliste quoi. En fait il est réaliste comme jeu, je trouve. Ouais. Enfin si on suppose qu'on peut faire des portails, portails, pas des portails. Voilà. Portaux, et donc c'est la fin de ce walkthrough, je montrerai pas plus. Si vous avez envie de voir plus, je vous désolé d'avoir tout gâché parce que avec mes trucs de FF6. Voilà. Et donc mais de manière si vous êtes déçu, jouez au jeu vous-même. Et de toute manière. Non, mais s'ils sont déçus, à mon avis, ils ont pas envie d'y jouer, toi. Ouais. Baisse ton pantalon. Oh bordel. Oh, on l'a bien reçu, hein. Attends, on a fait. On a commencé à quelle heure? Il y a longtemps. Bon, allez, on va dire, il était 10h. 10h du soir. Et là, il est 6h30. Donc, vous voyez, on a fait un Wuxup pendant toute une nuit. C'est vrai que je le referais bien sur un autre jeu, quoi. Ouais, mais pas toute une nuit. Bah, si, toute une nuit, bien sûr. Non, non, je veux dire pas toute la journée, enfin pas juste après quoi. Non, 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 bien sûr. Là, c'est si on fait des vidéos, ce sera de la grosse merde. On va faire une pause manga là. Non, j'ai quand même. Voilà, pause manga. Ouais. Mais t'as aucun manga là sur ton. Tes putains de PC? Non. Putain. Non. Eh, mais attends, c'est pas le même PC qu'en bas lui. Non, mais pas le PC en bas. Si? Non, c'est celui qui était en bas, il est là maintenant. Mais je l'ai vu. Non, il y avait. Ah non, c'était juste un écran en fait. Ouais, il est juste un écran. Qui marche plus d'ailleurs. Bah bon, il est mieux que celui-là pourtant. Ouais mais c'est pour ça que j'ai mis celui-là parce que voilà il marche plus. Et là le putain d'écran que t'as retenu. Ouais là en fait on est sur un putain d'écran HD. D'ailleurs quand on avait enregistré Valkyrie Profile 2 j'avais trop la rage là. J'en ai d'enculé Daily quoi. Ouais et quand je parce dis que c'était voilà. Trop beau. Mais trop beau. Bah même des fois sur les et après PSX, sur Daily c'était moche. Sérieusement sur les jeux de PSX c'est un problème parce que sur un écran HD parce qu'en fait tu vois trop que c'est putain de pixelisé. Salut. Ouais ouais c'est clair. Les noirs tu vois il y a des noirs tu vois. Alors quand ils disent ouais des noirs bien profonds dans les pubs et tout. C'est ouais. Vrai parce que là, les noirs, c'est un noir, c'est un jeu de PSX qui est mal fait. Ouais. Et le noir il est putain de moche. C'est un noir moche. Qu'est-ce que t'appelles le noir? Les trucs d'écran noir, par exemple là le gris tu vois que c'est putain de pixelisé. T'as vu? Ouais ouais. Parce que ouais mais ça se voit moins. Ça se voit moins sur Daily justement. Non justement oui, bah c'est effrayant, c'est pratique. Mais sur un jeu de PS2, oui le jeu est certes plus beau, mais sur Daily c'est moins bon. Donc voilà ça. Ouais mais de toute façon en Daily ça casse tout. Ouais. Enfin bon, c'est déjà pas mal comme qualité, mais si on peut arriver à mieux quoi. En même temps, je peux pas enregistrer là-dessus en 1200 parce que. Ouais, voilà, c'est la résolution que je fais. En HD en 1200, je sais pas combien. Mais faut que ce soit du Creative Content. Capcom, eh ben il serait temps de le savoir. You have mailed pour une troisième fois, vous avez encore des amis, ouais! C'est encore un truc différent là. Ouais, parce que chaque fois ça change ce qu'il dit en fait. Mais ça revient au même quoi. Ouais. Enfin, en fait, ouais, et donc là, c'est la meilleure fin. Tout le monde est vivant et on a capturé le Dr. Kirk encore une fois. Enfin, tout le monde est vivant, sauf les cadavres dans chaque pièce. Hein. Ouais, et sauf Cooper et Tom. Et on s'en fout de Cooper et Tom en fait, il les a jamais croisés. Cooper et Tom? Non, Tom, on sait pas s'il est vivant ou pas. Si, Tom il est mort.
On l'a vu. Il est mort, je sais pas comprendre. Bon, on l'a pas vu crever, hein. Non. Non, parce que j'ai fait un choix qui a fait en sorte que je l'ai pas vu crever. Mais j'aurais pu faire un choix qui fait en sorte que je le vois crever. Ah, d'accord. En fait, il crève de manière héroïque en sauvant. Le choix en face, c'est pas de voir s'il va crever, mais s'il crève ou pas. Non, non, c'est tu vois s'il crève ou pas. C'est il crève. Même si, tu le vois pas, il crève quand même. Ouais. On peut imaginer, si on est optimiste, qu'il crève pas parce que tu le vois pas crever. Si tu le vois, enfin, tu le vois pas crever, mais Rick il t'appelle, il fait oui, il est mort. Regarde. Ah ouais. Oui, c'est vrai qu'il a pas l'air très vivant là. Ouais. À moins qu'en fait. Non, en fait, il essayait de se réchauffer des raviolis, il s'est cassé la gueule avec le plat. On peut imaginer une scène, alors on peut imaginer plusieurs scènes. Par exemple, il était en train de faire chauffer des raviolis, mais il les a fait chauffer trop fin, du coup, ils ont explosé, du coup, il y a plein de sauce partout. Ou alors, il est tellement excité à l'idée de manger de la bolognaise qu'il a glissé sur une peau de banane et il a foutu partout. Enfin, je vois pas ce qu'elle viendrait foutre là, ta banane. Alors, il avait quelqu'un devant lui qui a eu un cœur réchauffé dans un micro-ondes et qui a explosé devant lui. Oui, là, c'est encore plus probable ton truc. C'est un Spark, c'est possible ce qui se passe dans South Park. Non, c'est pas le cœur que je pose, c'est une pomme au four à la place. Ah, ok. Putain, tu connais rien. Donc voilà, et donc c'est la fin de ce walkthrough, on aura dit de la merde pendant tout. Ouais, voilà, que de la merde, mais. Il y a un passage enfin, où ça... tu parlais pas parce que t'étais fatigué. Ouais, puis le tout début qui était vraiment très chiant aussi. Ouais. Ah, c'est marqué en Jap. Où? C'est pas marqué en Jap là? Attends, faut pas exagérer quand même. Attends. Oh putain, je te jure, de loin, dans le trou du Jap. Tu regardes là, tu vois des kanji, le truc. Je te jure, fous-toi putain loin, tu vas voir. En fait, c'est le gars à force de regarder ce défi de Jap. Ouais, voilà. C'est des grosses alutes. Bon, bah, salut à tous, hein. Voilà, c'était un. On va se quitter ici. Bon, on va faire quoi, nous, bordel? J'ai pas envie de me coucher, moi. Non. Enfin, toi, comme bon, tu veux. Bon, alors cette fois-là, on va sauvegarder. Et en fait, si je me sens. Non, même pas. En fait, c'est quoi, juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est l'opération Wipeout. Donc, alors vous pouvez voir là, sauvegarde 1, il y avait des petits. Enfin, nombre de fin 1. Ouais. En fait, il y avait 3 petits signes. Un signe indiquant qu'on a eu une tenue. Un signe indiquant qu'on a eu une autre tenue, en fait. Il y a 4 tenues au total. Mmh. Je vous laisse les découvrir encore une fois. Les deux tenues. Enfin, la tenue, la troisième tenue, en fait. Après la quatrième, vous savez ce que c'est. La troisième tenue, on l'a quand on a 2 fins sur 3. Et la troisième, la quatrième, on l'a quand on a 3 fins sur 3. Et le dernier truc, en fait, il y avait un crâne de dinosaure. Enfin, un crâne de dinosaure, c'est tout. Et c'est en fait l'opération Wipeout. Ok. Alors, juste pour te montrer ce que c'est. C'est pas compliqué, hein. On a Regina lâchée dans un complexe. Ouais. Alors, regardez. Infanterie, campagne et antique. Antique attends, sérieusement, il y a que 4. Attends, il y en a un qu'on peut pas ouvrir, le dernier, tout à l'heure. Non, celui-là. Attends, sérieusement. En fait, j'ai fumé un joint complet. En fait, il y a 4 costumes, mais il y a celui de Regina aussi compris. De base, ouais. Alors, laisse tomber. C'est quand on a 3 fins sur 3, on a le dernier. Ou alors. Bah, il y en a un par fin, quoi. Non, parce que là, j'ai une fin et j'ai les deux. Directement. Enfin, bref, voilà. Ah ouais. Donc, moi, je vais prendre celui de campagne. Ça ressemble pas trop à un truc de campagne, hein. Non, mais c'est campagne, c'est. Enfin, ça fait pas trop le fermier, quoi. Non, ouais, non, c'est pas un truc de fermier. Opération Wipeout. Ouais, faites des habits. Encore une fois, rien à voir avec le jeu. Et comment ça, rien à voir. Il y a plusieurs missions, je sais plus combien exactement. Ouais, enfin c'est un truc bonus pour s'éclater, quoi. Voilà. Et pour éclater des... Ouais, surtout. Donc t'as vu. C'est comme le mode de mercenaries de truc là. Voilà, de Resident Evil 3. 4. 3. 4. Mercenaries. Il est dans tout ça, mon avis. Ah bon. Bah faut tuer 10 j'allais dire 10 zombies. Ou 10 ghouls. Non. Ouais, 10... Ghoul. Dino. Mais en fait, à elle change pas de tenue, mais il y a que le haut en fait. Genre. Non, parce que là je choisis une qui change que le haut, mais sinon le reste. Ouais. Il y a enfin, on voit pas. Bref. Ouais. Bah, et donc pour les fans, je vais la laisser se faire bouffer pour la fin de ce. Non, mais c'est pas assez gore là. C'est... Non, mais c'est bouffé quand même. Bon. Ah, la honte. La honte. Je suis dégoûté. Pour la peine, je vais repéter contre un mur. Non, mais explose-lui un peu la gueule et puis tu fais niquer au prochain. Voilà, juste pour montrer, c'est assez jouissif de bien niquer les dinos comme ça. Ouais. Donc ça c'est un petit bonus. Non mais il faut pas que ça prenne une vidéo entière. Je vous ai pas montré. Donc une médicaïne, ce que ça fait. Je vais planter, bon je vais lui planter 3 médicaïnes dans le. Et voilà, donc ça l'endort. Et pour finir, en beauté, je vais faire un beau petit massacre. Et voilà, un beau massacre. Là, en tenue de campagne, attention. Non, c'est pas une campagne, c'est plus une tenue de sexy en fait.
Ouais, enfin bon, on s'en doutait. Ouais, donc s'imagine ce qui va se passer, hein. Oh non. Ils vont faire une partout. Ouais, trois, ouais. Voilà. Et la game over. Donc sur ce. Ouais, Opération Dr. Kirk, c'est le jeu encore une fois. Et donc voilà, donc c'était Dino Crisis. Ah, toi, tu t'es pas fiché, t'es bien fait un petit walkthrough en quelques heures là. Tranquille quoi. J'aimerais bien pouvoir faire pareil sur un RPG quoi. Bah, tu peux pas. Ah, c'est clair, j'ai pas choisi le bon jeu moi. Oh putain. Ouais, mais même un speedrun, tu vois, ça prendrait autant de temps. Moi, c'est Kiralex que je plains parce que trop haut trigger, laisse tomber quoi. S'il veut tout montrer. Non, il le fera pas. Donc voilà, donc ouais. Sur cette dernière interrogation. Oh non, d'ailleurs, même pas, on va mettre une vraie dernière interrogation. Si. À quoi ressemble Adolf Hitler Birik avait pu revenir dans le temps, aurait-il ramené le micro-ondes? Non, t'as pas vu, c'est un truc des nuls. C'est un truc des nuls. C'est... Oh oui, alors c'est un truc qui se fait genre. Oui, notre programme de ce soir, nous avons lancé un débat. Si Adolf Hitler avait pu revenir dans le temps, en aurait-il amené le micro-ondes? Non, c'est genre le débat. Aucun rapport. Le aucun truc. Rapport. Ouais, c'est trop con. Non, bah donc sérieusement. Voilà. Et c'est tout. Et on va terminer avec un mot magnifique. Tom Berry. Français. Non, Cocteur d'ailleurs. Pampa. Pampa, ouais. Voilà. Faudrait les montrer quand même parce que ils ont. On parle de peluche depuis tout à l'heure et puis ils savent pas à quoi elle ressemble. Et vous faites pas chier, vous tapez Pampa Final Fantasy sur peluche. Google Images par exemple. Mais les peluches ou pas. Et ouais. Tom Berry. Voilà. Et là, ouais, j'adore la peluche de Pampa, ça. Attends, 109. Oh putain. Non, mais la queue du Tom Berry, comme c'est le. Ouais, alors comme on a tellement aimé ce walkthrough, on va pas l'arrêter en fait. Non, mais c'est con parce que tu sais que tu fais des vidéos de 10 minutes et là, comme c'est les 10 dernières. Les 10 dernières, ça va être quoi? Ça va être, tu te fous en dessous de campagne, tu baises un dino, tu te fais exploser la gueule, tu viens une partouze, on raconte de la merde avec des peluches. Ça va être ça la dernière vidéo. En fait. Voilà. Donc voilà, et il est tôt, on n'a pas dormi de la nuit, mais c'était intense. Merde. J'ai quand même envie de continuer à faire un truc. Non, moi ça, je vais me coucher parce que. Ouais, bah voilà, donc c'est sur ce racontage de vie qu'on va vous laisser. Et je vais maltraiter, et je vais te barrer ton pompe à travers la. Ouais, bah tu vas, je vais te mettre à ton exoplasma maintenant. Voilà, donc comme vous n'avez pas envie de voir ça, ça va être gore, je vais couper le walkthrough, donc à plus. Salut. Voilà.